Bonjour à tous et bonjour à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation opening. On va s'ouvrir. Déjà, on va vous montrer ce qu'on a reçu. Alors, bienvenue sur la chaîne. Bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. On a reçu un petit colis aujourd'hui. Alors, déjà, on a reçu ça. Exception. On a reçu des studios Ghibli. La première display qui regroupe Totoro, Princesse Mononoke, absolument tous les dessins de notre ami. C'est absolument magnifique, franchement. Il y a des artworks différents. Celle-ci va directement dans la collection parce qu'il n'y en aura pas d'autres. Alors, je vous ai déjà fait la vidéo de la présentation de la box Oververse en collector box qui est arrivée aussi en même temps. C'est une dinguerie absolue. Elle est magnifique. Alors, je suis désolé pour les petits bugs. Elle est somptueuse. Où on retrouve deux God Packs dedans et une carte promo. On avait reçu aussi, je vous ai montré, les boosters Oververse en blister. Les boosters en vrac, Oververse, on en a 15. On a reçu aussi une petite Jujutsu Kaisen. Voilà, qu'on va se voir aussi sur la chaîne. Pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on va s'ouvrir Saint Seiya, la petite display chinoise, absolument somptueuse, et j'ai hâte de l'ouvrir parce qu'il y a des cartes de dingue là-dedans, puisqu'on a une carte en 9 exemplaires dans le monde uniquement, donc autant dire que ça va être très chaud de la choper, mais il y a des dingueries dedans. En rareté, il y a les rares, les super rares, les super super rares, les ultra rares, les QR. Et après, en vraiment dinguerie, il y a les BP et les secrets qui sont les cartes recherchées, puisque elles sont vraiment très 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 rares. Et il y a eu de la réédition pour cette boîte, donc il doit encore en avoir pas mal. Il y en a sur le site, sur la boutique, hein, Tradinka, vous allez dessus, vous allez pouvoir en trouver. Je crois qu'elle est avec les 8%, ça fait 32€. Voilà, c'est un score. Hein, il y a 18 boosters, petit opening sympa, ça fait plaisir. Et on est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant, on va. Et bien voilà, on est parti pour cette petite ouverture. On va voir ce que ça donne. La petite display Saint Seiya. Elle est magnifique. On va s'ouvrir ça. Alors, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait dedans. Notamment les cartes. Pas trop de vidéos, mais les cartes. Et comme je disais, il y a des cartes de malade. En 9 exemplaires. Ah oui, j'aurais dû prendre un ciseau. Ah, je vais. Ça aurait gagné du temps. Elle veut pas s'ouvrir. Et oui, j'ai vu les images des cartes qui sont absolument magnifiques. Vraiment. Cartes de toute beauté. Et vraiment, je pense que cette ouverture, elle va nous régaler. Et puis, je vais pas vous dire quoi, c'est l'enfance, quoi. C'est l'enfance! Ça me rappelle l'enfance. Alors, ah oui, c'est vrai, elle souffre comme ça, les displays. Ah, voilà. Les displays cailloux. Les displays asiatiques en général. Alors, déjà, c'est quand même à l'ouvert. Vas-y, on va le faire comme ça. Hop, voilà. On a gagné du temps. 10 minutes déjà pour voir le truc. Et on a nos 18 boosters.
Oui, ils n'ont pas fait un effort sur les artworks que les boosters, mais alors pas du tout. Parce que c'est tous les mêmes. Et on va commencer par ce premier booster. Alors, c'est du booster hyper rigide. Je pense qu'on va bien galérer. Alors, un truc que j'ai repéré aussi, qui m'a beaucoup plu, c'est que le dos des cartes. Voilà, j'ai tout spoil. Le dos des cartes est fabuleux. Il est brillant et tout, c'est magnifique. Vraiment beau, beau, beau travail sur ces cartes. On commence avec Nîmes. Les cartes sont très belles. Vraiment très, très belles. On retrouve un peu la veine Naruto puisqu'on est sur du caillou. Et c'est très, très beau. Vraiment. Alors, on est comme ça. Elle est très belle celle-là. Première feuille. Je ne sais pas si on voit bien. Ouf, ouf, ouf. Oh, qu'elles sont belles. Elles sont magnifiques, les cartes. Vraiment somptueuses. Waouh. C'est vraiment très, très beau. Voilà. C'est d'une beauté. Mes amis, et ce côté un petit peu foil, c'était Force of Will que j'avais découvert, que j'avais trouvé magnifique aussi sur le dos des cartes où ils font un travail de malade mental, les gars. Et ça, c'est propre quoi. Et j'ai vu que certaines feuilles ici, le dos était aussi brillant. Ils ont fait la face et le dos en même temps. Ça c'est beau aussi. Franchement, wow. Elles sont incroyables les cartes. Hein. Elles sont vraiment belles. Je vais vous mettre un peu plus près. J'ai pas mis beaucoup de lumière parce que sinon on aurait le soleil dans les yeux. Alors il y a toujours une carte horizontale. Et elles sont vraiment belles hein, les cartes. Hein. Wow. C'est du beau boulot. Hein. On retrouve bien le caillou. Ah bah tiens, ça c'est les... Elle est spéciale là. Alors celle-là, logiquement, elle y est. Non, elle n'est pas plus que les autres. Non. Je vois, t'es plus fort. Petit chevalier du Zodiac. Et Shiryu, absolument somptueuse. Vraiment très très beau. C'est vraiment très très beau, Sensei. Je ne savais pas à quoi m'attendre et franchement, c'est propre. Hein. Et une chose, c'est de la première édition. Parce que j'ai entendu dire il y a quelques temps qu'il n'y aurait pas de comment, il n'y aurait plus de sortie Saint Seiya en première édition, il n'y aurait plus de stock et tout. Il y a un truc comme ça, un truc comme ça. Je viens de l'acheter en fait, et je l'ai acheté sur la boutique. Et je crois qu'il y a en rupture de stock, trading card. Et par contre, les boosters à l'ouvrir. Et il y a un approvisionnement. Donc vous pouvez avoir encore de la première édition, les gars. Ne vous fiez pas aux infos du net. Oh, elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle est somptueuse, la carte. Oh. Et ça, c'est juste une rare. Quel boulot incroyable. Waouh. Ah ouais, bah les gars, si vous me donnez toute la série, je veux bien. Les chevaliers en armure d'or, là, ils sont somptueux. Waouh, putain, c'est beau. J'ai pas fait gaffe, c'est 5 cartes, là. Oh. Waouh. Waouh, c'est magnifique. C'est très, très beau, hein, la pattern sur la... Sur la carte est incroyable. Les chariots encore, elles sont vraiment belles. Franchement, je crois que d'autres displays à la maison, c'est possible. C'est fort probable. C'est fort probable. En plus,
la première émission. Je suis plutôt client. Elles sont incroyables, les cartes, elles sont vraiment belles. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si vous faites la collection ou quoi. Mais, enfin, un nom qu'on peut prononcer, parce que là, Aberrant. Wouah, wow, c'est beau ça. Ça, ça fait plaisir. Hein. Ah tiens, bon. Plaisir pour les yeux, et puis ça nous plonge un peu en enfance. Alors moi, personnellement, c'était juste après vraiment ma phase... Ah bah tiens, un doublon. Juste après ma phase enfance, en vérité. Juste la fin, en vérité, quand c'est sorti chez la musique enfance. Quasi. Là, je suis vieux. C'est le problème. Mais je n'avais pas revu les chevaliers depuis cette époque-là, hormis quelques figurines que j'ai vu traîner dans des magasins, et je me suis dit, ah, quand même, ça a de la gueule. Ça a de la gueule, les chevaliers du Zodiac, moi, je trouve. Bon, t'as toujours une carte bidon, tu sais pas trop la scarce qui fait là ou la bestiole, elle est là. Ah, peut-être y aura... Waouh, Isaac. C'est vraiment magnifique, ces chevaliers du Zodiac. On retrouve... Alors, je veux dire pour le propriétaire. Elles sont pas aussi épaisses que Naruto, mais elles sont bien épaisses quand même. Un peu plus que l'avant-yane des cartes. Et ce ne sont pas les cartes à jeu, ce sont les cartes à collectionner. J'ai oublié de le préciser. On a un truc sympa, visiblement. Wow. C'est juste insane. Franchement, je sais pas si vous voyez vraiment le... Attendez, je vais essayer de vous montrer, mais vous voyez bien là, ici, là. Ce côté relief, là. C'est magnifique. C'est de toute beauté. Ah bah si on pouvait en avoir un peu de la choune, ça serait bien. Ça serait pas mal. Alors, ah ouais, j'avais pas vu. Alors, comme Naruto, il note les raretés en haut. Ok. Et ici, on l'a, ici, la rareté. Ah, cette carte. Alors, celle-là, déjà, tu sais que c'est pas une normale, déjà. Celle-là, c'est des spéciales aussi. Ouais, je les trierai plus tard, je pense. C'est là. Ça peut prendre du temps. Et on n'a pas trop de doublons pour l'instant. Pour l'instant, on va vous dire que ça ne pas. Les boosters sont vraiment super épais, donc tes cartes sont bien protégées. Black Phoenix. Il envoie les cartes, même en rare. Waouh, et puis tu l'as. T'as presque les. T'as plusieurs séries visiblement et tu as toujours deux de la première série. Oh la vache, c'est beau ça! C'est magnifique! C'est magnifique! Il y a un truc que je voulais faire et que j'ai pas fait. Alors je suis désolé, je vais le faire maintenant. Je voulais nettoyer l'objectif. Un tout petit peu. Et je ne l'ai pas fait. Je vais le faire là. Il doit être là. Voilà. Désolé. Et pour que ce soit un petit peu plus propre, et j'ai spoil un peu les cartes derrière, mais c'est pas trop grave, parce que là, je vois que la beauté, elle est là. Quoi. Oh, que c'est beau. Le détail de la carte. Le perso et tout. Wow. C'est magnifique. C'est très très beau. Voilà, de côté, celle-là. Et celle-là, elles sont somptueuses aussi. Hein. Voilà, toutes les cartes en fait tu t'arrêtes parce que c'est d'une beauté. Et puis je sens le relief derrière la carte à chaque fois. Chérie, comme j'ai déjà eu. Je sais pas si c'est là qu'on avait là. Franchement c'est insane. Et on a bien 5 cartes dedans. Dans chaque booster. C'est ok. Il est ouvert. Attention pas.
les coins parce qu'ils servent à tout le monde, c'est juste comme ça. Au choc. Au choc. Nadel. C'est très beau. Oh là là, mais à chaque fois, on en tape une comme ça en fait. Elles sont magnifiques, hein. Elles sont vraiment incroyables les cartes. Ah, c'est beau. Hein. Et à chaque fois, t'as ton petit signe du zodiaque qui avec. Je sais pas où du coup où se trouve. Ça doit être ouais là en 3e position que tu as ta carte. Tu as ta carte SP. Est-ce qu'on peut sur les méthodes en question. Tu es fâché en train de dire. Genre, tu fais comme tu peux. Bah, ouais, normal. À la maison. On a Moses. Moses. Chena. C'est beau, hein. Alors, ah, si, c'est encore la même rareté. Ça, ça fait penser au vieux. Un autre dessin animé qu'on a fait, hein. Hop là, hop là, hop là. Et let's go, il nous reste 10 boosters. On va voir vers 8, ok. J'en ai profité pour ranger les cartes un petit peu. Je pense que vous pouvez les voir en fait. Ouais. Et donc, dispatcher les raretés. D'abord, on va le faire après, puis en même temps, ça va permettre quand on va revoir les cartes, elles sont vraiment belles. Hein. Même les rares sigles, elles sont dures. On n'est pas encore sur la qualité, la profondeur qu'il peut y avoir avec, avec Naruto, mais c'est quand même très, très, très joli. C'est vraiment très, très, très joli. C'est juste très très beau. C'est juste une SR. Vraiment. Il y a de quoi se régaler. J'espère que. Alors j'ai vu Wave 1 et j'ai déjà vu la deuxième display. Il y a déjà des visuels. Belles, hein, elles sont tellement vintage en même temps, tellement modernes. Oula, Dragon. C'est beau, hein. Voilà. Les effets sur les griffes. Je sais pas si vous voyez bien, mais... voilà, c'est vraiment... c'est une scène, vraiment. Oh, oh. Quel travail alors. C'est dingue, c'est beau. C'est vraiment beau. Ouais, il y a vraiment quoi s'extasier là-dessus. Les CCR, elles sont vraiment somptueuses. Alors là, petit Pegasus. Très très beau qui reflète ici. Magnifique, comment ça va. Et encore Echo. Ah mais c'est pas la même. On l'a en deux emplois différents. Ok. Ok. Je prends. Donc, ce ne sont pas des doubles. Je prends.
Je sais pas ce que c'est cette espèce de petit mec là. C'est vraiment difficile à voir. C'est beau ça aussi, hein. C'est juste une orbe. Vraiment. Travail de qualité, les Chinois. Je ne cesserai de le dire. Un petit coco. Petite horizontale. La deuxième, c'est là. Ah, mais j'ai pas mis celle-là avec la route. C'est nécessaire aussi. Hop là. Déjà, ça va se rapprocher. Les tueurs, on va pas avoir beaucoup. Dans un pack. Dans une box, je veux dire. Oh, oui, monsieur. Oh, ça, c'est beau, ça. Oh, ça c'est beau, Athéna comme ça, c'est somptueux. Voilà une BP. Une BP. Et c'est une belle BP. Athéna. Après, j'aurais préféré avoir l'autre d'Athéna. Celle qui est. Oh, il y a 9 exemplaires dans le monde, mais je doute que. Qu'on puisse l'avoir aussi facilement sur une display, en ouvrant juste une display. C'est juste magnifique. Ah, ça c'est nécessaire. Hop là. On va la protéger celle-ci. Ah, on va prendre les petites sleeves One Piece. Elles sont même un peu moins larges que les Oververse. Hein. Parce que Oververse, on va voir, tiens, j'en ai. Ah ouais, il y a quand même un bon millimètre de différence. Hein. Alors là, je sais pas si on voit vraiment, mais. Ouais, elles sont bien plus petites parce qu'elles sont exactement à la taille Oververse et Sleeve, les Sleeve One Piece. Elles vont juste au-dessus. Elles vont parfaitement. Donc là, oui, il y a un petit peu de lâche, mais c'est pas grave. De marge, on va dire. C'est très beau, franchement. Qu'est-ce que c'est beau. Eh ben, c'est le. C'est la carte, hein. C'est la carte du paquet, je pense. À moins qu'on ait encore une dinguerie, maintenant j'ai un peu la doute parce qu'il en reste 6 boosters avec celui-là. 7. Donc on a fait plus de la moitié. Et on a vraiment pas de doublon. Alors ça, c'est un bonheur, parce que celui-là, on l'a pas eu non plus. Sur le Greenfoot. Magnifique. Magnifique. Ah, celle-là, je l'avais. Voilà, il suffit de le dire, en fait. Comme mute. Tais-toi. SSR. Dernière. On va voir. Ah, on l'avait pas eu. Le Gemini. Gemini. Je crois pas. Hein. Je crois pas. Que... C'est chouette de pouvoir avoir les. Encore Nico? Dans une autre version? Putain, mais elles sont folles les versions. C'est vraiment beau. Hein. C'est vraiment très très beau. Hop là, petite SR. Qui va bien? On l'a pas vu non plus. On aura Varane plutôt que fait là. Ah, très bien. Hop là. Un coup dans la cale. C'est pas mal. Hein. Oh là là. Texture de la carte encore. Justine
Insane. Juste insane. Oh. Un petit fish. Un petit poisson. Mon signe du zodiaque. C'est marrant de ne pas l'avoir. C'est magnifique. Obligatoire de recommander les displays. Ça, c'est sûr et certain. Casa. Magnifique. On n'a pas eu encore. Et une petite SSR à l'ancienne, bah, je crois qu'on l'a vu celle-là. Oh, le taureau, les gars, il est beau, hein. Il a une masse. En plus, d'un booster après l'autre, tu chopes les autres artworks de tes... C'est ouf. C'est parfait. Il nous reste 4 boosters, désormais. Est-ce qu'on peut avoir une display buggée? Est-ce que ça existe chez Saint-Pierre, les chevaliers du Zodiac, s'il vous plaît? Ils sont chouettes. Sont chouettes, vraiment, ça rappelle ouais, les anciens dessins animés qu'on regardait quand on était gamin. Club Dorothée, tout le Bataclan. C'est là qu'on voyait toutes ces petites nouveautés, on se régalait de ça. Et aujourd'hui, on ouvre des cartes et on transmet à nos enfants ce qu'on a vécu quand on était jeune. Ils vivent un peu les mêmes choses et c'est ce qu'on aime, je crois. Et de faire vibrer nos gosses avec ça, des anciennes cartes, de cette licence-là et tout, ça, c'est génial, un petit signe. Et on a encore un autre artwork de yoga. Magnifique. Magnifique. Et ouais, c'est un pur kiff de partager ça avec ses enfants aujourd'hui, 30 ans après, 40 ans après. Je veux dire, ça me prend la gorge. Yosho. Daosha. Daosho. Capera. Petit SSR. Oh, on a chopé en plus un petit poisson. En QR, alors elles sont un peu spé quand même les QR, je sais pas ce que vous en pensez. Ça me fait penser au pop. Au pop Funko. Grosse tête, petit corps. C'est un peu ça, quoi. Je pense que c'est un peu ce côté toys, en fait. Et maintenant, notamment, Et maintenant, notamment des pays asiatiques. Ça, c'est beau. Hein. C'est juste une mécénale. C'est incroyable, les cartes. Elles sont très, très belles. Là, ouais, aussi, à part le petit chien, le début, le petit livre. Il n'a pas eu notre nom, donc je me suis dit, vraiment, c'est pas lui. Quoi. Très beau, très très beau, et personnellement, je suis très satisfait de mon sens. Oh. Tiens. Chelou, toi. Comme on voyait,
c'était les images qu'on avait, les affiches, tout ça, c'était comme ça, on postait. Ça ressemblait à ça, hein, ce qu'on avait à l'époque. Un magazine, OK Magazine, un truc comme ça. Il n'y avait pas vraiment de truc de manga à l'époque, hein, c'était pas un régime. Hein. Magazine à manga, ouais, c'est arrivé bien plus tard. Oh, un petit conseil. Ils sont majestueux, les cartes. Franchement, ils prennent tout l'emplacement, le truc, ils font déborder l'esprit. Tu le vois bien, quoi. Il est massif de ouf. Incroyable. Ouh. Alors, à l'image d'Oververse, je crois que j'ai un truc avec cette couleur violette. Hein, parce que sur les cartes qui sont violettes comme ça, je trouve que ça pète mes corps. Alors, la femme dessinée derrière, oh, c'est sanctuaire. C'est vraiment trop beau. Et on a eu le Seiya, on n'a pas fait attention. Et le dernier, le tout dernier booster. Je sais pas ce qui est. Un truc qui est. Bizarre. Je l'ai coiffé. Alors j'ai coupé le. Oh. Misty. Très, très bien. Je crois qu'on l'a vu. Là dans les tendres. Waouh, plein de Pegasus. Qu'est-ce qu'on va avoir là? Ah, encore un doublon. Ah, j'en connais un qui va être content parce qu'il va avoir des cartes. Et on termine avec Shun encore. Ça, c'est marrant ce coup du doublon à chaque fois. Parce qu'on sur les deux boosters, souvent tu tiens le truc. Bon, bah, le banger, c'est ça, hein, mon gars. Hein. C'est tellement beau, je vais retirer de la slip parce que ça va être. On la voit pas très bien. Mais... Et on va voir sa petite vidéo, hein, de toute façon, cette petite vidéo individuelle, on va la passer. C'est vraiment très très beau, ça, très bien. Et bien, je crois qu'il y en a une qui va aller dans la collecte, une qui va aller directement en collection de display. C'est obligé. Alors, il doit manquer quand même quelques signes, mais bon, tout ça après. Parce que derrière, alors c'est marrant parce que on met de première édition, mais à aucun moment c'est marqué, je regarde. À aucun moment c'est marqué sur ta carte. En fait. Mais ça fait plaisir de pouvoir en voir. De la première édition encore aujourd'hui, alors que ça fait, je crois, plus d'un an que c'est sorti. Un peu comme ça, à peu près. Donc, ouais, non, c'est un plaisir. Et bah, on va continuer un petit peu hein, pour en avoir d'autres, je pense. On va voir avec Trading Card, est-ce qu'il peut y avoir encore. On dit plein, mais il va en avoir qui vont bien, parce que je suis allé sur le site, j'ai regardé. Et c'est en approvisionnement. Donc ça va arriver. Et en plus, la 8% avec le code, c'est marqué là-haut. Hein, donc voilà. Et au cas où, tu as toutes les infos dans les descriptions, des vidéos, tout ça, machin, que tu ne lis jamais. Donc tu peux lire pour une fois. Allez, je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous a plu. Vous avez kiffé la vidéo. Et puis, bah, petit like, un commentaire, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Ciao, salut la famille, sortez couverte et tapez sur un lieu.